Yasoko alaina alaiso do na ligai. Isati
wota e ngañan salaaji meden ko yereeno kadi e armu didi fu jogi toden kadi dewangal wurniten o alquran wurniten kadi salaatu ala nabi be maaki dido didi wota di fu to made alko juldo be maaki si ngeli si di futi kema araide an juldo nga yebi ke hore maada si a jogi tike non didi Allahu bantay fi mata ko huntana ma kadi haaju didi fu o okama adna mojjo o okama kadi la kara mojjo Allah kan himo yidi e himo yidani wota e nganyan salaaji meden be maaki pelletu non Allah noki waliya ben ko hawni ibe ndara ko be tini e Cheikh Cherif Mohamed Abdoulaye Sagale ko non Allah hollirta julbe men fo kaweji kabe wurno don ibe rabbindi nude wano be tini gido mabbe goto tay musiba ino suti yon Allah holli dun Cheikh Cherif be wadi duwa o be yeti mo kadi musiba ngino arde kono Allah newnani be non be duike kadi Allah wado ya kisi e kadi e mudu wono le bijetat si dun non kadi wado yi bawo non dun wadi be maaki weldugol fi Allah gol dum ino moddi cerno Boubacar Bongel be nani aybe be ngino wiya e ngal non be do natay kasu dogugol ya sagale dandataabe natugol kasu dum metti cerno Boubacar elas bin jona dum metti cerno Boubacar be dawani Cheikh Cherif be maaki duane o gido modon aybe makko ben no wiide dogugol ya sagale dandataamo naadede kaso e ngal be maaki onon o naatata kaso hay ñalorma goto Allah hollino be dun huurino be kadi ha be duyke dum Allahu kadi jabino duwa o o naatata kaso hay ñalorma goto annabijo be maakino ko an yu ali ko nde Allah fewnirta sabu maada neɗɗo goto dum ɓuri moƴƴude nde Allah hokkatama dendangal jawɗele aduna si tayno on tigi ɗaɓɓiri halal fi yo wuuro halal ɓe maaki nden ɗaɓɓere ɗon nde jeeyete kayre kadi e dewal ngal si woni kala wo ko on tigi heɓi mo sembinde diina kan ɗaɓɓere makko nden fof kadi nde wonta e dewal ko ɗum Seydna Ousmane ɓe jokkuno ɗaɓɓere halal haa ɓe faati e hoore le ɓe lontino kadi annabijo ko kamɓe wonno khalifa tammo ɓe waɗayno kadi julaku buy kono noon koɓe dañaynoko ɓe rewnayno ɗum non e fi ɓantugol laawol diina Allahu kan e misal joni e sa'a goo heeferaɓɓe nanguno julɗo ɓe wi on noon julɗo noon hettotako sina julɓe ɓe gadda temedere ngelooba ɓe ngure noon on julɗo nangaɗo ɓe ari ɓe holli ɗum annabijo Mouhammadou annabijo Mouhammadou maaki yahu ka Ousmane wiya yo jonne noon temedere ngelooba ba sottiron oɗo julɗo eyyi e juuɗe ɓe heeferaɓe o yahi o tawi yiɓe ñowde paɗal yiɓe ñowtude paɗal o wi ha o suusa haalande oɗo fi temedere ngelooba o yilti o wowlaninoy nelaɗo Allah ɓe maaki o yilto holla Seydna Ousmane o arti o tawi kadi molɗon ɓe haɓɓude koyngal gertogal no helno o wi ha o haɓɓoɗo koyngal gertogal wakkilotako okkude temedere ngelooba nelaɗo Allah maaki yahu yottina o yahi o yottini annabijo maaki
yo okube yo okube da yimbe temedere ngeloba ko be sotira juldo musiddo mabbe on e juude ferabbe gelodi temedere wonu seydina usman wadi o jiya do alla kaweje seydina usman ayo bantaki on dari oda o komboni o wi ya halana ayno gelodi on yo jonde temedere ngeloba ko annabijo maki ko o ya on sorto yo juldo ngo hetto e juude be heferabe itto mo e juude be heferabe kono haybe darano ko omboni bembe be okki gelodi temedere be yitta kebe dari ko omboni e yi ay jarama makko be dabbali kambe ko dabbugol yarlu e Allah o walla tigi kadi be woni e huwondirde be maki ben noni be wondi Allah kala kadi jokkitudo jikkuji mabbe on kadi o hebay mojjereji di be maki non wotay sedu e wirdade salatu ala nabi hebina yamira dum kadi be ngurande worbe suddibe fap yobe wirdo salatu ala nabi be hebina yobe wirdo kadi fatiha be hebina ma dum qul huwallah Cheikh Sherif Mohamed Abdullah bibe wajo fot be ndara e kongudi ko be makayno hakkunde mabbe Allah be tawade dum ino hawni be be maki si goddo korima ko ya andi to o korno ma do non ko Allah tigi woni ko minimo ko ya andu kala okko onko jeyal Allah wotete on don den e dokka lonnon gal fof koy dokke ma da ngalla woni ko dum yewi be maki no woni ro Cheikh Sherif en gereno ha hetto dira ya Allah be maki non ko dum kadi woni ko dabbete woyoy wakilo non jogi to den alqur'ano be maku no kadi maku be maki dum kadi no wonti waji be maki sawi kafaje jiyadi de ronkiti kafaje jandi jiyadi de ronkiti be maki ayi alquran de den non kanje de wadai jiyadi majje on ha nyande dargal ka zaman meden do sengo no gasa an 48 ha 44 tantawi ko sai kujo jeyado misra o natuno e wahabiya kono yoyi makuji wali yugot dum woni sabu o yalte wahabiya on o gomdini waliyabbe o nongo fillike o wi kanko lawari o fewa ari mo jangayno ka jamiatul azariya kono hari on sai dina henanamo imo jangayno non gande l'islam de ka jami al-azariya o yalto non o yai vacances ka o yai vacances ton nyande go o yai don nokku go o wali don o hoydi jemma imo ya hunde labade ka hore weyo o yeta ko dum do non ko dum woni ruhu bimbino weti o yayi yurade gido makko kaw yayi vacances don bawo hewti ka suudo gido makko o hayni deftere e hore fenetre o immi o yayi o jettinde o yowtinde o fontinde o tayi jako firu wujinde woni haalude e jako dum o hoyduno jemma ko dum don woni sabo haa o fewi o jokki kadi o hebi gandal forte o sarhini alquran ngaroji wa sengo nogay e jeedi ha chapantati on non o fillik o wiibe portobe hibe andi tarihaaji din
adnan ko fotani gandal ko adi hebaade ko misra wobbe non ino wi ko end kono jamaaji burdi du teddim be fotti wonde ko misra porto benno baawi be andi dum be jangi gandal tarikh ak leede mabbe be gayni be minay on tigi yo yaw misra be do yato ko dum woni ko bura fottede on non o fillike ben portobe imintebe e leede leden be ara misra don fi be dugol gandal misra don gandal tarikh gouvernement misra on be jettayno ben be halfinamo be kanko cheikh tantawi yo jangimbe tarikhaji din o yo awri non e portobe nayo jogibe gande portobe e ko timmi ben portobe nayo be yeti kemo kambe do be nati ka l'islam be wi kon non woni sabu abe nati ka l'islam be wi ko chortewol dabbol ka alquran ko ngol woni sabu be maki on deju ko ngol woni sabu abe nati ka l'islam e ko ngol chortewol dabbol non ko gul wallahu ngol do be wi ko ngoldo woni sabu haabe hebi tawidi timmudo ko ngol woni sabu kadi haabe nati ka l'islam be maake yi ko chef sherife maako noko ayi alquran wada jiyaati ya nyande dargal tole don dejino don kambe dewnobe jogi liman be makana en kadi ko be tini be teddini gul wallahu talibabe mabbe yeddube be torino be duaw be wi be nabde nay Sierra Leone be tori be duaw fi kisi e lawongol be seni be yottini kambe toli don be maki Allah holli be don musibati don e lawongol yobe seno be yottina yobe yilto be seni be yottini ben non jabi o haadun non de ko laawi be wi nay din hewto yi ka kero ko jokki tugol be woni be seni kadi kambe sey ko ben do be yottini be maaki awa yobe maakan joni beya yobe jogito wirdade gul hu Allah yobe hebbi wirdade gul hu Allah kon non tun say ko be yobi nobe be seni be fella ndeji satudi bulbinidi ko karansi be hisi kon Allah hisini be kon ko gullo Allah be yobi nobe be maki en yifi alquran on ko kawe be do non holli ko gullo Allah woni sabu habe silmi be maki en andi alquran non ko kawe en andi kayre inde wadde jihad ha nyande dargal be maki hay fi kafaje jandi jihad de rokiti en yi aji alquran den kanje de wadde don jihad majjo ha nyande dargal ide wonde sabab yimbe ben nata kal islam be ba kadi kisiyeji kadi kadu awji be maki dun non wota welti do fi alquran e salatu ala nabiyyo be maki fay men fo yo windane salatu ala nabi kalluje mabbe be maki yo dum winde kalluje mabbe kambe fay be o salatu ala nabi fop yo be windane dum kalluje mabbe worbe rewbe be maki si en gelike be maki si haaju yani kadi on tigi no wawi wirdade salatul fatih la bitemedere ya hayyu ya qayyum la bitemedere o duo don fi haajuji makko din fu kebal e kisal be maki fop ko juude Allah woni be maki Allah tigi yamiren duawji din be maki non duawji din di wallahi foti
di wonay sabu duñu de musibaaji e podu gol kadi moƴereji ko yen wakilo hebbinen duawji din wota en seedu e alqur'ano e duawji din e salatu ala nabiyo be mako yerundo be maka nayno en be maki foppuno yo geru habe ngurenen fo wowta dundo worbe suddibe be maki fanna ko worbe tu wonde dewanga araide moƴere den timmali taw ha jama suddibe kadi heba dewal ko on tumasi moƴere den timma be maki on fo ko bismillah modon ko toli be maki bismillahir rahmanir rahim kadi nun kadi no barkinore e si on tigi hebi haaj imo wayi wadde laabi wulure si tawi ko hunde hittunde mo wawi jokkude bismillahi rahmani rahim ha heɓa guluji sappo e ɗiɗi ɓe maki ɗum kadi no moƴƴi fota ino wallitore e fi duwawji ɗin ɓe maki ko bismillah ko tooli ɓe maki cheikh sherif mouhammad abdoullahi sagale ɓe hoynuno ñandegoy ɓe tina annabijo tawi ɓe hiɓe duwade ka nder koyɗon annabijo maki yo allahu jaabin koɓe du'i kon ɓawo noon ɓe fini ɓe moƴƴini kadi gimɗi ɓe duwani mofti annabijo ɗen foof ɓe yirti kadi ɓe ɓeydoyi ɓe hertinani yiɓɓe maɓɓe ɓen e kala julɗo mo allah liɓi e ɓernde mum kadi yiɗugolɓe yilti kadi ɓe duwani kala heɓɗo ɗo kadi waktu goto ka juulirde sagale ɗo yilti kadi ɓe duwani kadi kala taaɓiɗo ha hewti e nokkure nden ɗo ɓe hoyɗoy ɓe tina seydna ali ɓen makaniɓe allah jaabini ɗin ɗon duwawji kadi seydna ali noon ko jeyano e huncaɓɓen kadi kabi kamɓe ɓe maki hiɓe anduno ruhu maɓɓe on ado ɓandu maɓɓe nun tagede cheikh mahamad bounil arabi o maki waliyaɓɓen kadi noka ɗum ɗen gueɓe andugo ruhuji mum ɗi ado ɓalli ɗin ɓe maki ɗum noon ko yo en wakkilo joguitoɗen dina ka an si tawi tuya faala giɗo gaynowo koya weldu tunne allah ko on ɗon woni giɗo gaynowo on ko ye fellitu noon allah imo yiɗi en imo yiɗani en ko ɗum waɗi so yamiri en ɗeɗo dewe kabi an fannaya noddude allah faamu yawonde allah wota seedu noon e jantade inde allah ka wonɗa o haysi ya waali haysi ya yaade e hoore koyɗe maɗa ma yiya e hoore masinji ɗin ka wonɗa o ta seedu e jantade inde allah. Je vous souhaite une agréable séjour pour moi passé ici et une cordiale bienvenue. Je vous dis bienvenue parce que vous avez quitté chez vous, vous êtes venu chez vous. Et d'après l'histoire que mon frère vient de relater, ça fait la deuxième fois qu'on se rencontre ici, c'est que nous sommes tous d'ici. L'histoire a fait que d'autres personnes se sont retrouvées là-bas à un certain moment donné, mais les racines sont encore là. Alors c'est ce qui transcende, c'est ce qui nous amène ici. Aujourd'hui, Dieu a voulu qu'on se retrouve encore une fois de plus pour implorer la grâce de Dieu, pour fortifier ma foi et guider nos actions afin de pouvoir aider ceux qui doivent être aidés, afin de pouvoir aider nos deux pays frères. Je connais un peu l'histoire parce que j'ai un peu étudié avec les Sénégalais, que ce soit au Mali, que ce soit en France, dans les écoles militaires, qui sont dans l'armée sénégalaise aujourd'hui. Je sais que c'est deux pays frères qu'on ne peut pas se séparer, deux populations qu'on ne peut même pas séparer. Parce qu'au niveau des frontières, vous verrez qu'il y a une femme sénégalaise qui est épousée par un Guinéen de ce côté, il y a une femme guinéenne qui est épousée de l'autre côté et vice-versa. En voyant avec tous ces rapports, nous sommes deux pays frères. Et c'est ce qui me pousse encore de dire que vous avez quitté chez vous, vous êtes venus chez vous. Prions Dieu, nous sommes venus chercher la bénédiction. Il est Ousmane Diallo. Ousmane Diallo. Membre de la délégation du Sénégal. Donc, quand il y a des gens qui ont été en Ziara Sagalé, on a été en Ziara
ou depuis 2015. C'est bon de le rappeler parce qu'il faut me rendre compte aux Ziyarans d'abord pour aller tout le monde et pour rendre nos Ziyarans. Donc 2015, la communauté musulmane du Sénégal, même au Bédo, Woni, Dakar, Tiguinchor, Kaolack, partout au Sénégal, une initiative. Wadugol ziyara ara wada ziyara say ko bendo donc ko do woni ka fuddi do 2015 bon on andi après covid wadi ko do 2 ans mi anda wada ka on andi ko wadi wada ka parce que ayu makka yaaka donc be de weltore di parce que ko welo welo ka fuddi no do han 2015 han hande ka hawti do ko yettu golal yetta say ko benken parce que on yi ko woni nafude wone nafude jamma wone nafude umma islamiko donc hande wetu golal mo yeta e say ko Allah ko cielal e bawde jottina balde parce que hande ci dum do wadi hande e ko nakri ari futa jalon fo ari liberia be ari finance afrique le son fo ari gambie fo ari ka fodi non hande musique no hewtan do ko Allah to wayu donc benen weltano say ko ben wetu ko ba e top que foto jalon do parce que on était petit gong quand tu fo na gong islam tu wata jonde ni fo a foto do hande ina ko argol to ron donc welta nobel to delegation boko ba bendo ben non won mo ko to mo dodo be won hore be delegation senegal be won hore ziaro men me doaka wole sama parce que be won mo bendo kambe sinti o ziar men no sibi ni honor ke din jabay ni jabay parce que ara ko men tukar ko mado ne lawde bin tawano ro o sintu noko donc toro alla dum do edu kadi urta dum de kadi itana bi watta duwaji di falde kadi on donc c'est une chance won be sey ko wero hande wori do ara ko itu galal bu parce que do nafude gide mu dem nafude futa jalo mu dem nafude stabilité pays on kadi donc dum dum dan ko dankete le danke le danke leendi le danke futa jalo o do woni ko mi fal donc haray do vraiment ko remercier ko délégation fop imbe ngari do bismillahir rahmanir rahim fo yulto ko alhamdulillah rabbil alamin amin ya rab haray accident wala an fus wala an kala fo to e jam taw to dengu de jam kadi wel tanu be sagala be parce que tigi tigi tini sai organisation do non atawai vraiment be tini hande kam délégation do imbe nyam ya haa kadi wer nawo ça c'est très bien passé malgré mon mais quand même si sympa bon donc il faut toujours implication étant walta gongo parce que c'est un événement religieux on a de gortu représentant mais il faut venir de jouer et nous pour tawa de reçure parce que pour ñam de wakari botot man donc haray kadi men tori balal baladu état guinéo venir de jouer mabbe événement pour won sénégal say hande ben wala fi gamu fi ma magal touba ma du gamu tiba won bi lamu na de jouer mu mu eno du wadi fay du reçu ci mabbe donc ben tori kadi vraiment la mu gëre kadi na de jouer mu edi sifa de ziyara do on wodi beaucoup de foi religieux que je ne peux vraiment que remercier Chérif qui est là à ma droite mais il y a effectivement monsieur Diallo aussi qui est là derrière moi ce sont les piliers effectivement de l'organisation de la grande mobilisation de cette délégation sénégalaise venue de Dakar et des autres contrées du Sénégal pour rallier effectivement Sagalé. Sagalé aujourd'hui n'est plus effectivement à commenter compte tenu de l'affluence énorme que Sagalé draine à chaque période justement de cette ziyara. Je ne vais pas revenir sur ce que les autres, n'est-ce pas, ont dit. Ma présence ici à Sagalé, c'est à double titre, je dirais. Un, religieux que je suis, musulman que je suis, je viens chercher les bénédictions effectivement de ce grand khalif fondateur justement de Sagalé, mais aussi de son héritier qui est aujourd'hui, qui assure, n'est-ce pas, le khilafat au niveau justement de Sagalé. Mais autre présence ici, me concernant, c'est effectivement la représentation gouvernementale du Sénégal. Vous savez, comme tout le monde le sait, le Sénégal traverse, n'est-ce pas, une alternance politique aujourd'hui. Il y a un nouveau gouvernement qui est effectivement au règne du pouvoir. En la personne de Bassirou Diomaye Faye, que vous connaissez tous, secondé par effectivement son premier ministre Ousmane Sonko, nous autres, n'est-ce pas, du ministère du Commerce et de l'Industrie, si nous sommes là, c'est parce qu'au niveau du Sénégal,
il y a effectivement un travail extraordinaire que ceux-là, pratiquement, que je viens de nommer, ont eu à faire, je veux dire, pour effectivement s'organiser à rallier, n'est-ce pas, Sagali. Les autorités gouvernementales de Dakar, du Sénégal, sont au courant de l'importance, justement, de Sagali dans cette période, n'est-ce pas, de Ziara. Au Sénégal, les gens sont allés beaucoup plus loin, surtout avec effectivement cette alternance-là. Les autorités, les nouvelles autorités sénégalaises ont eu effectivement à ériger au sein du palais présidentiel, une direction chargée des affaires religieuses pour embrasser toute religion confondue, musulmane, chrétienne et autres. Et comme le disait Seigneur, il y a eu, n'est-ce pas, enracinement, mais aussi ouverture. Et dans le cadre de l'ouverture, si effectivement cette forte communauté poular résidant au Sénégal ont effectivement un événement phare comme Sagalé, le gouvernement sénégalais est très attentionné à ça, raison pour laquelle ils nous ont mobilisés. Moi, en tant que Mohamed Mbeng, président du conseil d'administration de l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt, accompagné justement un des fils, n'est-ce pas, de la Guinée, mais un des fils, n'est-ce pas, du Sénégal en même temps, quelle richesse encore panafricaine en la personne de Driss Junior Diallo, directeur général de l'organe de régulation du système récépissé d'entrepôt, pour être là, ici à, à Sagalé, représentant l'État, n'est-ce pas, du Sénégal. Et un seul constat pour corroborer la doléance de tous ceux-là qui m'ont précédé. C'est quoi? C'est l'infrastructure routière qui doit rallier, n'est-ce pas, Sagalé, que les autorités guinéennes doivent tout simplement parfaire. Je dis bien parfaire. Ils ont fait beaucoup de choses. Ce matin, on a eu à rencontrer le gouverneur justement de l'Elouma ici, ou bien de la zone, de l'abbé, je veux dire, avec le préfet de l'Elouma. Et quand les doléances, n'est-ce pas, ont surgi, ils ont effectivement donné de très bonnes réponses qui suscitent, n'est-ce pas, de l'espoir. Mais nous interpellons justement la plus haute hiérarchie pour qu'une attention particulière soit justement accordée à Sagalé. Sagalé doit être désenclavé. Remarquez, malgré l'état d'espoir dérisoire de la route, regardez ce beau monde qui est drainé ici. Dites-vous bien, si effectivement la route était très bien faite, que serait justement Sagalé? Que serait Sagalé? Parce que tout le monde sait qu'effectivement Sagalé est un point de convergence où les gens vont aller pour pratiquement tendre la main pour bénéficier, n'est-ce pas, de certaines bénédictions. Mais malgré l'état des entrées, n'est-ce pas, de la route, cela n'a pas découragé les fidèles. Et je sais que si cette année-ci, plus de 33 véhicules constituant la délégation venue du Sénégal a été mobilisée, je dirais bien que cela n'ira que crescendo. L'année prochaine, certainement, ce nombre sera doublé. Pourquoi je le dis? C'est les statistiques pratiquement qui nous le disent. On nous dit qu'effectivement, cette organisation sénégalaise, depuis 2015, est en train, n'est-ce pas, de venir ici. C'était avec des 7 places, m'avait-on dit. Effectivement, le nombre était très minime, mais aujourd'hui, 5 voitures en 2015, aujourd'hui nous en sommes, n'est-ce pas, à 33. Pour ce qui est dénombré par rapport à cette délégation constituant, effectivement, la venue du Sénégal jusqu'à Sagalé. Sans compter ceux-là qui ne sont pas, effectivement, dénombrés. Donc, je veux dire, il y a plus d'une centaine de véhicules qui rallient Sagalé via pratiquement Sénégal ou bien la frontière sénégalo-guinéenne. Donc, souhaitons tout simplement que les doléances qui sont formulées aujourd'hui lors de cette ziara, que ces doléances ne tombent pas dans les oreilles, n'est-ce pas, d'un sourd. Que les autorités guinéennes, je sais qu'ils sont effectivement imbus, n'est-ce pas, de leurs responsabilités. Ils savent qu'ils doivent faire vraiment quelque chose, puisque tout ne peut pas être fait, n'est-ce pas, d'un seul coup. Je sais que leur attention particulière est accordée, n'est-ce pas, à Sagalé. Et j'espère que dans un proche avenir, si nous devons revenir ici l'année prochaine, nous trouverons justement de ces routes qui sont bien aménagées, qui vont faciliter, n'est-ce pas, aux pèlerins de pouvoir allier Sagalé quand il se doit. Nous le prions, nous implorons, n'est-ce pas, le Tout-Puissant, qu'il puisse vraiment donner la force, l'énergie, mais aussi les ressources nécessaires aux autorités gouvernementales pour que synergie aidant, que cette vieille doléance soit effectivement quelque chose qui serait vraiment oublié. Voilà ce que nous voulons dire. Nous prions par devers, justement, l'assistance, parce que quand nous venons ici, nous tendons la main pour que, effectivement, le chargé, n'est-ce pas, de ce khilafa, le marabout qui est là, puisse
formuler des prières pour nous. Mais comme nous le disons au Sénégal, ce khalifa-là, il y a un yag te wer. Nous tous, nous devons aussi implorer le bon Dieu pour que effectivement le calife puisse être parmi nous aussi longtemps que possible, malgré pratiquement son âge avancé, malgré pratiquement peut-être son état de santé fragile aujourd'hui compte tenu de l'âge, mais qu'il soit encore là avec nous pendant des années, parce que justement l'espoir des fidèles est entre vraiment ses mains et que le bon Dieu justement puisse exaucer l'ensemble, n'est-ce pas, de ses prières. Voilà ce que nous voulons dire. Quelle beauté pour la Guinée aussi. Quelle beauté pour la Guinée. Là aussi, je tiens à le dire, au Sénégal, dans les écoles, on nous apprend justement la géographie guinéenne. Mais je me dis, cela ne suffit pas. Il va falloir que nous organisions, n'est-ce pas, des randonnées à nos enfants, à nos élèves, qu'ils viennent ici en Guinée pour voir à visu pratiquement la richesse que regorge justement cette République guinéenne qui doit être justement boostée de l'avant pour que, qu'ils puissent vraiment vivre de sa potentialité au grand bénéfice justement des administrés que nous sommes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voilà, nous disons merci à tout le monde, surtout à cette délégation sénégalaise. Il y a l'honneur de prendre cette initiative. Et autour de nous ici, vous voyez, c'est les flammes, vous voyez là, je vous dis, Mignola, vous voyez monsieur le maire de Moussou, monsieur Ousmane Landry Diallo, vous voyez d'autres personnalités, notamment monsieur Mbeng, qui vient du ministère du Commerce du Sénégal. Toutes ces personnes et d'autres délégations ont fait le déplacement à partir du Sénégal. Vous savez, les Ziara, c'est une tradition au niveau du Sénégal. Nous, on dit des Ziara, des Kamou, des Maoulides, ce sont des traditions chez nous, nous sommes habitués à le faire et nous le faisons avec beaucoup de plaisir parce que nous pensons que comment dirais-je, la vie spirituelle doit accompagner la vie étatique, doit accompagner la vie économique. Et donc c'est un moment d'échange, un moment de dialogue, des moments aussi touristiques, des moments économiques qui sont ici partagés au niveau des Ziara parce que les personnes, les fidèles viennent de plusieurs pays de la sous-région. On ne peut pas compter tous les pays, mais particulièrement, on peut citer le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Gambie, on peut citer aussi la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone. C'est beaucoup d'autres pays qui viennent assister à cet événement, qui viennent communier ensemble, qui viennent échanger des expériences ensemble et des prières. Donc nous ne faisons que continuer, disons, à solliciter encore les prières de notre vénéré Khalif, Chérif Sagalé, pour que la paix puisse davantage régner dans notre sous-région, à partir d'ici la Guinée, pour que la convivialité, la solidarité entre les différentes populations puisse davantage. Wa dim la wa kad sa dalla na ma na kibah wa kad karaka sabu as samawati rakibah ila halaratil qudus illa liyatiba rabbina rabbul mundati azaiba satulu ala tamkin bil qurbi wan nasriyo.